sais, mais on a parlé. Alors, j'ai oublié une démarche de ses parents, qui attendaient pas du tout. Mais on a quelque chose à leur annoncer. C'est pas faux, tout le monde dit. Ah, ouais, alors voilà. Dis-leur, Jonathan. Alors, voilà, on va partir aux États-Unis quelque part. Non, mais attends, mais. Tu parles aux États-Unis. Bon, ok, mais attends, tu parles combien de temps? On sait pas encore, on a peut-être quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Admit a débarqué à la maison par surprise, on s'attendait pas du tout à la voir, pour nous annoncer qu'elle partait aux États-Unis avec Jonathan. Jonathan, s'il te plaît, hein. Fais attention à elle. Oui, papa poule. Il a raison, Jonathan. C'est un vrai papa poule. C'est pas grave. Maman, il manque un. Il est où le chien? Bah, comment ça, il est pas dans son panier? Bah non, j'ai cherché dans toute la maison, il est pas. Quoi? Attends. T'es en train de me dire que le chien a disparu, là? Bah oui. Et là, Sam m'annonce qu'il trouve plus le chien, qu'il a cherché dans toute la maison. Et là, on se dit, oh non, le chien a disparu. On trouve plus le chien et je suis vraiment inquiet parce que je l'aime trop et je me dis, c'est pas possible qu'on l'ait perdu, quoi. T'inquiète pas, allez, on va le retrouver. Lucky. Quoi, j'ai pas dormi. Maman, on est où le chien? Alors, j'ai pas beaucoup dormi. Mon chien a disparu et clairement, je suis très triste. Et je me dis, pourquoi il est parti, quoi? Pourquoi? Clairement, si le chien revient pas, on est dans la merde, quoi. J'en ai très inquiet. On espère que le chien va revenir parce que sinon, je vois qu'une seule solution, c'est prendre la voiture et le chercher dans toute la ville. Donc, j'espère qu'il va revenir, quoi. Alors, nous partons en vacances la semaine prochaine. Et donc, aujourd'hui, je me lance dans les derniers préparatifs de l'organisation des vacances. Et donc, je fais les valises. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Robe, maillot de bain, robe, mini-jupe. Enfin, faut quand même que je sois belle. Oh, les maillots de bain. Bien sûr, les maillots de bain. C'est vrai que moi, je réfléchis toujours jusqu'aux dernières minutes qu'on est bien oublié, parce que voilà, ce serait bête. Par exemple, je sais pas, on peut oublier un t-shirt qu'on a besoin. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Vous allez m'aider à choisir les enfants que vous voulez? Oui, allez, venez, asseyez-vous. Donc, on a pour projet de agrandir la maison. Et on voudrait aussi racheter des nouveaux meubles pour ma chambre, pour vos chambres, si vous le voulez, enfin si vous le souhaitez. Alors, vu qu'on va acheter la maison l'année prochaine, on en profite pour agrandir des pièces. Enfin, ce qui est totalement logique, hein, t'as ton terre, hein, t'achètes ta maison, tu rajoutes des pièces, hein, voilà, pourquoi pas. Et aussi, on va acheter de nouveaux meubles. Regardez, ah ouais, ça c'est joli ça. Le lit est pas mal. Ouais, pas mal. Vous voyez les enfants? Vous avez vu le lit là, la chambre? C'est pour toi et papa ça, non? Oh, mais c'est une chambre. Oui, c'est une chambre d'adulte. Elle est jolie, non? C'est vrai qu'elle est pas mal. Est-ce que tu es d'accord pour la commander? Bien sûr, hein. Avec ton argent. Valider, commander, va te livrer à notre adresse, voilà. Hop là. Et ben allez, une chambre d'acheter. Oh la bella bella, je suis tombé lo bello. Posé à mort bella bella sous la cielo bello. Oh la bella bella, je suis tombé lo bello. Posé à mort bella bella sous la cielo bello. Oh la bella bella, je suis tombé lo bello. Posé à mort bella bella sous la cielo bello. Oh la bella bella, je suis tombé lo bello. Posé à mort bella bella sous la cielo bello. Non, attends. Non mais papa, attends. Non mais... Vous savez pas monter un lit ou quoi?
Alors aujourd'hui il y a du changement chez nous. J'ai commandé une chambre il y a quelques jours, une chambre d'adulte, hein, donc pour moi et Antoine. Et il s'avère que je l'ai reçue aujourd'hui. Donc on a déjà tout monté les meubles et là bah il n'y a plus qu'à tout déplacer, à tout enlever pour mettre de nouveaux meubles. Mais c'est galère. Bon voilà, c'est mis. Pas sûr. Bon, tu le mets correctement, je te dis oui. Oh là là. Mais c'est toi là. Bon. Voilà, là il est droit. Oh là là. Alors, évidemment, bah, pour mettre un lit en place, rien qu'un seul lit, un seul meuble en place, bah, c'est un carnage. Donc, ça va, c'est pas pire de quand il l'a monté ce matin. Ah, donc, clairement, là, ça peut aller, c'est pas pire que, que ce matin, mais bon. Ah là là. Parfait, maintenant, on va mettre la... Oh putain, il y a une armoire avec cette merde. Eh oui. Évidemment, avec... Il y a l'armoire. De toute façon, j'ai tout pris. J'ai pas fait les choses à moitié. Bah, comme d'habitude, de toute façon. Bon, je la mets où, ton armoire? Elle est légère? Bah oui, elle est légère. Que je t'aide? Non, sûrement pas, t'es enceinte. Ok, je suis enceinte, je suis pas malade. Hein. Bah écoute, mets-la, petit lui. Hein. Eh, je suis pas malade, je suis enceinte. Oui, bah même, je veux pas que tu portes des choses trop lourdes, sûrement pas, je te l'interdis, d'accord. Puis même, je veux rien que tu portes du tout, je veux rien que tu fasses, ok. Tu restes assis sur le canapé à boire. Eh ben, si on m'avait dit un jour que j'allais avoir un mari romantique, c'est normal, j'ai pas envie qu'il arrive au malheur de bébé. Puis à toi non plus, j'ai pas envie qu'il y arrive de malheur. Oh, c'est bon comme ça? C'est parfait. Bon, maintenant il y a ma truc de maquillage installé. Quoi? Eh oui. Oh non. Et si? I've been holding on to pieces, swimming in the deep end. Allô? Alors, il s'avère que j'ai postulé il y a quelques semaines pour un nouveau travail. Et donc là, c'est le patron de la boîte dans laquelle j'ai postulé qui m'appelle. Alors, c'est vrai que je suis pilote d'un bateau avant tout, mais j'ai avant tout un autre métier aussi. Donc là, je m'attendais pas à ce qu'il m'appelle. Oui? Oui, bonjour? Et donc, c'est maintenant que je vais savoir si je suis pris ou pas. Oui, bonjour. Oui, je me souviens. Oui, j'ai passé un entretien, je me souviens. J'ai été génial à l'entretien, bah merci, c'est gentil. Quoi, c'est vrai? Alors, je commencerai quand? En septembre? Bah, c'est génial, merci alors, merci beaucoup, c'est génial. Et donc, c'est génial, je suis pris! De toute façon, qui ne prendrait pas un Julien Guteau? Oui, je suis trop content, hein. Eh ben, je vous remercie, c'est génial. Bonne journée à vous, au revoir. Chérie, chérie, devine quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis pris à l'entretien. Tu te souviens que j'ai passé l'entretien il y a quelques semaines? Oui. Et je suis pris, je commence début septembre. Ah, mais c'est génial! Félicitations, mon amour. Ça mérite un bisou. Et oui, on va gagner de l'argent, je vais. Ah, c'est trop bien, je suis trop content. Je crois que je suis le mec le plus heureux du monde. À ce point-là, eh ben, tout ça. Ah, bon boulot, hein. Ben, félicitations.
félicitations, mon amour. Merci. Ah, c'est génial que tu aies eu la réponse comme ça avant qu'on parte en vacances. Et oui. Je suis très fière qu'il ait pu accomplir ce job. Je suis très fière de lui. Clairement, je suis très fière de ce qu'il a accompli dans la vie. Je suis fière de comment il s'occupe des enfants. De toute façon, je suis fière de toi. De toute façon, je l'aime, mon mari. Hein. Je suis fière de tout. Et tout ce qu'il fait, j'en suis fière. Et je suis très heureuse d'avoir un mari comme ça, quoi. Merci, chérie. C'est gentil. Eh ben, c'est super, ça. Alors, ça fait plusieurs jours que le chien a disparu. Et donc, on est tous très inquiets, surtout Sam. Pouah, j'ai pas dormi. Maman, il est où le chien? Alors, Sam n'a pas dormi de la nuit. Le chien a disparu hier et il était très triste. Il a pleuré toute la nuit. Il a fallu que Thomas reste pour le calmer parce qu'il était incalmable, il était en crise de nerfs, il était méchant. Maman, il est où le chien? Je sais pas, mon cœur, je sais pas. Donc, je décide de lancer sur Internet un appel SOS chien perdu. Et donc, on verra ce que ça va donner. Tu fais quoi, chérie? Ben, je lance un appel SOS chien disparu. Ah, ouais. On verra ce que ça va donner. Bah ouais. Alors, bonjour. Je lance un appel car SOS chien disparu. Notre chien... Ouais, c'est ça. Attends. Alors, bonjour. Je lance un appel car notre chien a disparu. C'est un collet de couleur marron, blanc et noir. Donc, si vous retrouvez un chien, un collet... si vous retrouvez un collet de couleur blanc, marron et noir... Avec écrit Lucky sur son collier, veuillez nous appeler à ce numéro-là. Donc, on verra ce que ça va donner, quoi. J'espère qu'on va le retrouver, qu'il va revenir. À moins qu'il était parti se promener, qu'il y a des gens qui l'ont pris parce qu'ils croyaient qu'il était abandonné, quoi. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Si c'est des gens qui l'ont pris, s'ils voient notre publication, on leur en voudra pas, car ça peut arriver. Donc, ce sera très gentil à eux de s'en être occupés, quoi. Mais bon, faudrait qu'ils nous le ramènent, quoi. Bah oui, ce serait bien. Et ouais. Voilà, hein, j'ai lancé l'appel, ma foi. On verra bien. Ouais. Vous faites quoi? Ah, Thomas, mais t'es encore là, toi? Bah ouais, ça va très bien. Ouais, bah justement, je viens de lancer un appel sur Internet SOS, chacun disparu. Tu l'as décrit, t'as dit son nom? Oui, t'inquiète pas, j'ai donné le numéro de téléphone, t'inquiète pas. D'accord, bon j'espère que c'est pas trop grave et qu'il va revenir, quoi. J'espère qu'il n'est pas arrivé de catastrophe. Alors là, ça ne s'en remettra jamais, hein. C'est clair. Clairement, s'il est arrivé une catastrophe au chien, ça, mon frère, il s'en remettra jamais, quoi. Faudrait exactement le même, pareil, le même nom. J'espère que ce chien va revenir, quoi. Parce que sinon, ça sera plus jamais comme avant. Ma foi, j'ai lancé l'appel. Ma foi, les gens, ils verront bien. Et oui. Clairement, si le chien revient pas, Sam, il va passer les pires heures de sa vie, quoi. Il va passer les pires journées de sa vie, quoi. Ouais. Donc, on espère que le chien reviendra. Putain, on aurait dû plus le surveiller, ce chien. Putain. Ouais, mais ça, c'est pas ma faute. Faut le laisser faire sa vie, quoi. Et on espère quand même qu'il reviendra. C'est inquiétant, là, quand même. 4 jours. Donc, on espère que le chien. On reviendra vite. Ouais. Bon, faut installer ma table de maquillage maintenant. Oh non, vraiment? T'inquiète pas, elle est déjà tout montée. Il y a juste à la mettre en place. Oh.
J'avoue que je profite un petit peu d'être enceinte pour qu'il fasse des choses à ma place, quoi. J'avoue. Mais voilà, c'est marrant, j'aime bien. Puis même quand je suis pas enceinte, j'avoue, je suis flemmarde. Je leur demande de faire des trucs à ma place quand j'ai la flemme, j'avoue. C'est vrai, ça me plaît de faire ça, c'est mon petit kiff à moi. Tu veux la mettre où ta machine? Bah là, très bien là. Maintenant, faut installer tous les trucs de maquillage qui va dessus. C'est une blague, mais je le ferai. C'est bon. Voilà. Tiens, la lampe, tu peux la mettre là, là? Bien sûr. Profiteuse. Je suis enceinte. C'est pas de ma faute. Ma femme est une profiteuse. Elle profite d'être enceinte pour qu'on fasse tout à sa place. Eh, hey, oh, c'est toi qui veux pas que je porte, hein? C'est toi qui veux pas que je porte, hein? C'est toi qui veux pas que je déplace des choses, hein? C'est toi qui veux rien que je fasse, donc tu peux t'en prendre qu'à toi-même. J'avoue. Eh oui. Eh oui. Ma mère, comme tu dis, elle est enceinte, papa. Donc, c'est normal que tu l'aides. Ah bon? en ce moment, ça y va, hein, les pics des enfants, hein? L'autre jour, Inaya, là, Victor, demain, ça va être quoi, maman qui va dire sa première phrase, qui va nous clasher aussi, enfin, franchement, en ce moment, waouh, quoi. Ils sont sans gêne, ces enfants, hein, c'est pas possible. Désolé, papa. Ouais, désolé, ouais. Eh ben, voilà, elle est toute belle, notre chambre. Trop belle, c'est toi qui l'as choisi. Oui, allez, oh, tu choisiras des autres meubles, tiens. Ouais, ah, des autres meubles, trop bien. On est super content du choix de notre chambre, quoi. Elle est toute belle. Une fois montée, ça rend pas mal. L'armoire, le lit. Non, vraiment, ça rend pas mal. Non, vraiment, c'est bien. Et on espère que les prochains meubles... le choix des prochains meubles, ça rendra aussi bien que la chambre. C'est beau, hein? Très beau. Peut-être préparer pour les vacances là, je sais pas. Alors, les vacances approchent à grands pas et il n'y a rien de prêt. On part bientôt, rien n'est prêt. Donc aujourd'hui, on se lance dans la préparation des bagages. Allez. Adine serait rentrée des États-Unis parce qu'elle vient en vacances avec nous hein, pour profiter aussi. Avec Jonathan aussi. Hein. Et elle repartira après aux États-Unis à la rentrée de septembre pour vivre sa vie. Et du coup, on est très contents de venir en vacances avec nous et que Jonathan vienne aussi. Bon, on met quoi dans la valise? Tu fais laquelle? Là, je fais celle de moi et papa. Hein. Non, papa, il va la faire lui-même, sa valise. C'est lui qui va choisir ce qu'il met dedans. Très bien. Eh ben, moi, je vais faire la mienne, alors. Eh ben, vas-y. Je suis rentré des États-Unis pour les vacances, parce que, voilà, je pars en vacances avec mes parents, et je suis très fière, je suis très contente de partir avec mes frères et sœurs, mes parents, avec Jonathan aussi, mon gros doudou. Je l'aime. Et voilà, quoi, et... Ouais, c'est cool. Bon, ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Salut, Louise. Salut, Alex. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas au courant, je viens avec vous en vacances. Ah, c'est super, ça va. Ça va et toi? Ça va. C'est quoi là, ta valise? Ouais, et les parents sont là, leur derrière. Mais attends, oh, regarde, moi je mets mes robes, mes jeans, mes jeans, mes maillots de bain, quand tu me traverses ta tête. Ouais. Évidemment, c'est un carnage, comme d'habitude. Mais tu pourras pas tout emmener là. Ah oui, c'est vrai. Les vacances de famille nombreuse, il faut restreindre les bagages. Tu veux que je t'aide pour ta valise? Ben non, c'est gentil, va plutôt faire la tienne.
Ouais, vas-y. À tout. Salut, Louis. Bon, mais oh. Les parents qui ferment la tête derrière, c'est un mourir de rire. Limite, on se croirait dans un champ de foire tellement c'est hilarant. Voilà, ça y est, au fond, ma vie, ma robe, voilà. J'ai fini ma vie. Je peux aller aider les parents. Bon, ouais. Eh ben, ça va, vous prenez souvent la tête comme ça ou comment ça se passe? Bon, merde, c'est quoi? Logique. Allez. Bon, moi je voulais mettre des robes, des jeans, bah oui, pour les soirées. Ouais, des robes, des jupes, des jeans, des t-shirts, des maillots de bain, des pantalons, des... Ouais. Eh ben vas-y, mais bon. Ouais. Voilà. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à fermer. Eh oui. Ah, ça ferme pas. Mais appuie dessus, assieds-toi. Mais ça ferme pas. Mais c'est pas possible. Oh non, mon Dieu. Mais attends, mais... Ah, les valises ne ferment pas. Je suis obligé de poser mon cul dessus pour que ça ferme. De toute façon, ça vire à la catastrophe, hein, évidemment. Comme d'hab, chez nous, ça vire toujours à la catastrophe. Donc c'est... C'est limite déprimant, quoi. C'est à mourir de rire. La cata. Bon, c'est bon, c'est fermé. Ah, putain. Ah, non, mais je vous jure. Ouais. Pardon. Les valises ferment enfin. Faut restreindre les bagages, quoi. Mais bon, c'est pas trop tôt. Ouais, et puis c'est vrai qu'après on part bientôt, on part lundi prochain, mais quand même mercredi, il y a pratiquement rien de prêt, donc on va finir de tout préparer, clairement. Et puis le prochain truc qu'on fera, ce sera le départ. Bon, bah au moins, c'est fermé, on pourra pas dire le contraire. Non, là c'est sûr. Bon, ben, c'est bon, là. On est presque prêt. Ben oui. Ah, non, mais ça... Non, mais je vous jure. Allez, je vais tout noter sur mon téléphone. Alors, chez nous, les menus repas, c'est très important chez nous, parce qu'on adore manger. On part en vacances la semaine prochaine, mais sur le bateau aussi, faudra manger. Donc aujourd'hui, je décide de faire les menus à la semaine, donc pour la semaine prochaine. Et je note tout sur mon téléphone. Bon, les enfants, vous voulez manger quoi? Quand? La semaine prochaine. Sur le bateau? Oui. Eh ben, des lasagnes. Très bien, c'est bon les lasagnes, c'est vrai. Des légumes, ça c'est bien des légumes. Des pâtes. Je m'y attendais à celle-là, évidemment. Alors, évidemment, je m'y attendais à celle-là. Des pâtes, steak pâtes, le plat préféré des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui adorent manger des pâtes, donc bon. Ben, on mangera des pâtes, c'est pas grave. Eh ben oui, on mangera des pâtes. C'est pas grave, hein. De toute façon, c'est comme ça, on mangera des pâtes. Je peux choisir moi aussi? Bien sûr, Julien, tu peux choisir. Choisis bien, hein. Bon, de la pizza. Mais bon, non. Parfait. Bon, eh ben, faudra retourner faire les courses, hein, avant les vacances. Hein. Je note tout sur mon téléphone, matin, midi, soir. Bon, matin, c'est plus déjeuner. Le midi, soir, voilà. C'est très facile, un téléphone à... En 2022, tiens. Donc, bon. Très bien. Ensuite, vous voulez quoi d'autre, les enfants? Je sais pas, de la quiche, la boisson. Ah oui, la boisson. Jus d'orange, soda, lait, coca, limonade. Exactement. Très bien.
bon. Bah alors. Alors c'est parti, voilà, deux choses. Alors, des bisous. Bien gardé. Ma cuisse de poulet pour la semaine prochaine. Des cuisses de poulet pour se faire des tartares là-dedans. On pourrait même faire des frites. Non, des moules frites, c'est très bon ça aussi. Ouais. Donc on a déjà pas mal d'idées de recettes pour la semaine prochaine sur le bateau. Donc c'est déjà très bien. Et puis après, bah, on verra sur le bateau, on mange quoi la semaine suivante. Parce qu'on part au Mexique. Eh oui, allez. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène. Et je l'ai. Bon, chérie, oui. Tu sais qu'on part bientôt en vacances. Oui, parce que c'est bien beau d'acheter des meubles une chance, c'est bien gentil ça. Mais on part quand même en vacances nous aussi, hein. C'est vrai qu'on a acheté des meubles, c'est très bien, c'est cool. C'est très beau, elle est très jolie la chambre. Mais faut pas oublier qu'on part en vacances. On a fait des frais, mais pas suffisamment pour ne pas partir en vacances. Ouais. C'est vrai qu'on part bientôt. Et oui, on part après le 15 juillet, donc les valises sont prêtes depuis un bon petit moment. Mais le reste, il n'y a rien de prêt. On n'a pas réservé encore, donc... Mais je veux bien réserver, moi. Mais tu veux partir où? Haha, on avait vu quelque chose. Mais on n'avait pas encore réservé. Regarde, j'avais vu une belle maison de vacances. Très bien. Pour nous et nos quatre enfants. Regarde. Ah ouais, ouais, 1300 euros. Alors, c'est pas grave, on économise, on paye. T'as laissé ou quoi? Mais écoute, on paye à deux. Ouais, remarque, pas bête. Alors, on a trouvé une maison de vacances il y a quelques semaines à louer. Elle était vraiment pas mal. Et donc, on a décidé, on décide de prendre celle-là pour les vacances. En plus, il y a piscine comprise. On peut faire ce qu'on veut, petit déjeuner compris, 1300 euros, donc vraiment, ouais, c'est pas très cher pour tout ce qu'il y a avec. Il y a une piscine, la maison est pas mal, il y a 6 chambres, 7 salles de bain, donc clairement, ouais, c'est vraiment bien, quoi. Bon, allez, je réserve. Voilà, voulez-vous payer en carte maintenant ou payer en espèces? Bah, payer en espèces, ouais. Voilà, vacances réservées. Donc voilà, la maison de vacances est réservée. Donc voilà, c'est cool. Et ben, la prochaine fois, le prochain truc qu'on fera, la prochaine fois, ben, ce sera qu'on partira en vacances, quoi. Ce sera le départ, quoi. La prochaine fois qu'on ira, ce sera pour le départ. Un peu plus près des étoiles. Putain, mais Lucky, t'es là! Ouf! Oh putain! Maman! Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu écris comme ça, toi? Regarde, le chien est là! Comment ça, il est où? Mais regarde, là, il est là! Oh, Lucky! Mais enfin, mais Lucky, mais t'étais où? Faut pas partir comme ça, c'est pas bien! Tu sais que tu nous as fait très peur, toi! Cet après-midi, on a une belle surprise. Le chien est là! Après 4 jours d'absence, le chien donne enfin de ses nouvelles. Donc on est super rassurés, mais il nous a fait une grosse frayeur. C'est foutu de notre gueule, ce chien, c'est pas possible. Du coup, on le dispute quand même, parce que, enfin, voilà, on s'est inquiété, quoi. De toute façon, c'est pas possible, c'est une tête de con, ce chien. Donc, enfin, voilà, quoi, clairement. Donc, on est très content qu'il soit là, on est rassurés, on était très inquiets, donc, voilà, quoi. De toute façon, notre chien, c'est une tête de con, quoi. Il se fout de notre gueule. Il adore ça, il se fout de notre gueule. C'est une vraie tête de con, ce chien. Mais non,
Et si elle est là, regarde. C'est génial ça, disons toi Lucky, c'est pas bien. Tu sais que tu nous as fait une grosse frayeur en partant comme ça. Non mais plus jamais tu recommences ça, parce que nous on est très inquiets après. Wouah. Wow. Lucky, c'est quoi ça? Bon, on a dû nous le ramener alors, je sais pas. Ben je pense à mon avis qu'on l'a ramené, ouais. Attends. C'est génial, je suis trop content, maman. Je vois ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez comme ça? Regarde. Lucky, mais t'es là, dis donc, toi, sale chien. Espèce de petite tête de mule, va. T'étais où, toi, hein, le chien? Laisse-le, Thomas, le dispute pas. Je suis super content, le chien est revenu. Je suis trop content. Eh ben, je suis soulagé. On est tous soulagés que le chien soit là. Et je suis trop content, je vais plus être triste maintenant. Bon, ben c'est génial, il est là le chien. Bon, maman, on mange quoi? Ben je sais pas, vous voulez manger quoi? Alors ça, c'est la question qui revient souvent chez nous. Qu'est-ce qu'on mange? Vous voulez manger quoi, les enfants? Alors, c'est important pour nous de demander aux enfants ce qu'ils veulent manger. Voilà, on leur demande des fois... Des fois, on leur fait choisir le repas. Voilà, on leur demande leur avis, c'est important pour nous. Parce qu'il faut manger des trucs qu'ils aiment, quoi, pas des trucs qu'ils aiment pas. Donc, bon, ben c'est parti, on va faire à manger. Ravioli steak. Allez, dépêchez-vous, on est super en retard, on est à la bourre. Alors, ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on part en vacances. Hein, et on est super en retard. Hein. Les enfants, c'est bon là, on y va, vous êtes prêts, les valises sont prêtes? Oui, on y va. Donc, on devait être à midi sur le bateau, et il est midi 45. Donc, je me demande si on va arriver à partir. Quoi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nous, ça va. Alors, il y a quelques temps, je me suis lancé sur Instagram. J'ai décidé de devenir influenceuse. Et donc aujourd'hui, je décide d'annoncer le sexe du bébé à ma communauté. Le bébé... Alors non, je vais vous attendre un petit peu avant de vous dire le sexe, j'ai envie de vous embêter. Vous allez voter. Et à votre avis, si c'est une fille ou un garçon. Et je vous le dirai dans quelques heures. Et peut-être, pourquoi pas, faire des patrons produits plus tard. Bon, les amis, c'est fait. On part après-demain en vacances. Et donc aujourd'hui, on veut éviter que tout soit fait. Qu'on soit prêt, les valises sont faites. On est bien obligé surtout. Parce que je sais qu'on va oublier quelque chose avant le grand départ. Alors, les valises, il y a quoi dans les valises? Voyons voir. Les enfants, vos valises sont prêtes? Oui.